Nous sommes dans une banlieue de Laval. Nous verrons comment, de façon très très normale, un homme simple peut devenir un héros. Alors, monsieur, vous êtes ici pour votre problème de consommation de tabac? Exactement. Et qu'est-ce que vous avez essayé pour enrayer ce problème? J'ai essayé d'arrêter, puis j'ai jamais arrêté. D'accord, on a essayé la semaine passée les pilules, l'injection, le laser dans l'oreille. Ouais. Il reste juste une dose. S'en suivit un mécanisme extraordinaire qui traversa les époques. Alors vos paupières sont lourdes. Je fais plus. Je fais plus. Très lourd. Je fais plus. J'ai cette nuit, vous allez plus avoir envie de consommer. Bien que plusieurs personnes utilisent très mal le sifflet, lui était très bon. Je prendrai jamais de cigarette de ma vie, merci beaucoup, docteur. Voilà, vous êtes guéri. Et alors, lorsque ce magnifique monsieur Tibère alla se coucher cette nuit-là, quelque chose se produisit en son plus profond être. Descendre d'un loser naquit l'homme viril. Cet homme viril parcourra les rues à la recherche de façons, d'endroits où il pourrait montrer sa vaillance. Ah, j'ai envie de sauver quelque chose. Et situation problématique. Mais pas Tommy Petit Brion, non! Je n'en peux plus! Je monterai sur cette chaise, laissant croire que je suis rendu au 15e étage, et je vous sauverai! Il y eut alors un échange de regards plutôt intense. Subterfuge! Oh, oh! Je sauve la dame! Il sauva la dame! T'auras pas de chaise! Et, à la fin de cette nuit, alors qu'il se réveilla en bon vieux monsieur Tibère, que trouva-t-il à ses côtés?